Il te faut effectivement transformer ton chiffre d'affaires en pourcentage. D'accord ? C'est l'objectif à ne pas manquer, décrocher un bac pro commerce. Pour cela, il faut calculer les dépenses moyennes d'un client et savoir gérer un stock. Des notions essentielles pour accéder plus tard au monde des affaires. Chaque lycéen connaît ses points forts et ses faiblesses. Ces cours de soutien sont gratuits et permettent d'améliorer leur performance. Les calculs, c'est j'ai pas de mal, mais c'est plutôt expliquer ce que je trouve, pourquoi je trouve ça et quelles sont les conséquences de mon calcul. Vu qu'on doit apprendre nos formules et tout, et du coup avec l'aide des profs, c'est beaucoup plus facile à maîtriser. À ce stade de révision, tous les conseils sont bons à prendre car il existe des petites astuces pour décrocher ne serait-ce qu'un point. On vous le demandait, le détail du calcul, ça fait un point. Ici, on potasse le barème de notation. On apprend aussi à gérer son stress, mais pas seulement. Il faut avoir un petit peu l'esprit de synthèse aussi. Et bon, ça parfois, c'est pas évident, parce qu'ils sont quand même jeunes, hein, malgré tout. Voilà. Donc, on travaille aussi sur la gestion du temps. On leur donne l'assurance. Et puis, bon, bah, y a rien de tel que l'entraînement, de toute manière. Hein. Donc ici. L'ambiance est plus cosy dans le secteur privé, mais ces révisions ont un coût, 75 euros par élève pour 2 heures de mathématiques. C'est plus dur. Non, c'est pas dur. Donc, qu'est-ce que vous avez conclu là ? Ici, le travail est collaboratif. Le professeur accomplit l'exercice en même temps que les élèves. On travaille en groupe. Vous voyez, c'est-à-dire, moi, je ne les considère pas comme mes élèves, je les considère comme un travail de binôme. Enfin, là, on est à trois trinômes, si vous voulez, mais c'est ce but-là moi, que je recherche. Et eux, j'espère qu'ils le ressentent comme ça. Leur échec, c'est aussi le mien. Donc, le 5. Dans leur classe au lycée, une trentaine d'élèves sont inscrits en terminale S. Ici, ce sont des cours dispensés sur mesure. Bon, si on a un problème, on a plus déjà le courage de dire au professeur qu'on ne comprend pas. Et puis, on peut reprendre des points vraiment sur lesquels on a accroché, par exemple. Donc, pour moi, c'est un plus. Un plus qui n'est pas accessible pour toutes les familles. Que ce soit dans le privé ou dans le secteur public, la motivation des élèves reste primordiale. C'est l'analyse de la situation.